Ce soir, gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour l'artiste. Dieu merci pour la chorale de JCK. Nous bénissons Dieu pour vous. Et je prie que cette dernière nuit soit votre nuit de miracle. Et le Dieu de toute possibilité vous touchera là-bas et transformera votre vie. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui. Dieu du ciel et de la terre, Dieu de toute création, et Dieu de grâce, nous venons avec confiance, sachant que tu toucheras la vie de chacun. Et tu feras l'incroyable, l'impossible dans chaque vie. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous t'ouvrons nos vies. Viens Seigneur, viens aujourd'hui, viens rester et viens agir dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Merci pour vous asseoir. Comme nous voulons conclure la croisade ce soir, nous considérons donc les possibilités perpétuelles à travers la foi en Christ. Les possibilités perpétuelles par le passé, au présent, dans l'avenir. Passé, présent, perpétuel. Tout est possible à Dieu. Comment? À travers la foi en Dieu. Comment avoir foi en Dieu? La foi en sa fidélité. Parce qu'il est fidèle. Nous pouvons lui faire confiance. Nous faisons confiance à sa vérité. Ce qu'il a promis est vrai. Ce qu'il a prouvé est digne de confiance. Et Jésus est venu révéler à l'homme que Dieu est fidèle. Vous pouvez avoir foi en lui. Dieu est véridique. Vous pouvez lui faire confiance. Les possibilités perpétuelles par la foi en Christ. Il y a trois points à considérer dans le message ce soir. Premier point, l'accomplissement et la fidélité passée de Dieu. L'accomplissement passé et la fidélité passée. Et il n'a pas changé. Le passé devient le présent et le présent devient le perpétuel. Et ce qu'il a fait par le passé, il le fait au présent. Ce qu'il a fait les autres nuits, il le fait ce soir. Et il le fera dans ta vie. Premier point, donc l'accomplissement et la fidélité passée de Dieu.
Deuxième point, la provision promise pour notre pardon. La provision promise. Il a fait la promesse du pardon. Et cette provision est avouée à moi. Sa provision promise pour notre pardon. Troisième point. Nous allons voir sa puissance prééminente par notre foi. Sa puissance prééminente à travers notre foi. Considérons ces points l'un après l'autre. Ce que je veux dire en réalité, tu veux aller sur la plateforme où il y a toutes les provisions. Toutes les provisions sont au haut niveau, plus que par terre. Pour que tu passes du niveau bas, pour le niveau supérieur où se trouvent les provisions, tu as l'échelle. Et tu places ton pied sur la première marche. Et tu n'es pas encore arrivé. Tu mets ton pied sur l'échelle, la marche 2. Pratiquement, tu es arrivé. Tu mets ton pied sur la troisième marche de l'échelle. 1. Tu montes. Tu montes. 3. Et tu es arrivé. Et toutes les provisions sont disponibles là-bas. Ce soir, comme je parle du premier point, il te fait monter, gravir pour recevoir les provisions du Seigneur. Et quand je viens au deuxième point, il te rapproche davantage des provisions du Seigneur. Et quand je viens au troisième point, et je te dis, voilà, tu es là. Tu as déjà donc gravi la marche 2 et 3. Maintenant, tu peux avoir ce que tu veux. Ce soit comme tu y arrives. Le salut te parvient. Le pardon te parvient. La restauration te parvient. Le renouvellement te parvient. Et comme tu viens au troisième niveau, la guérison te parvient. Et ça te parvient. La guérison pour les incurables te parvient. Comme tu viens à ce niveau, le salut, le succès vient. Et l'importance vient dans ta vie. Et le Seigneur va tellement te toucher. Et ta vie sera importante. Alors prépare-toi à gravir avec moi. Prépare-toi à gravir avec moi. Étape pas numéro 1. Son accomplissement et sa fidélité passée. Son accomplissement et sa fidélité passée. Psaume 103. Verset 1er. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Premièrement, mon âme.
Deuxièmement, tout ce qui est en moi. Pourquoi le psalmiste dit-il, mon âme bénit l'Éternel? L'âme a reçu de bénédiction. L'âme a reçu le pardon. L'âme a obtenu la culpabilité et la condamnation ôtée. L'âme qui était liée a été affranchie. Il dit, mon âme pardonnée, mon âme sans culpabilité, mon âme qui est affranchie, bénis l'Éternel. Et il dit, vous savez quoi? Que tout ce qui est en moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées à mon âme, mais à tout ce qui est en moi. Le cœur, le centre de la vie. Tout ce qui est en moi, le cœur a reçu une partie des bénédictions. Est-ce que tu as un trou dans le cœur? Tu as un problème au cœur? Ce problème sera réglé et ton cœur va bénir l'Éternel. Tout ce qui est en moi, le cœur brisé. Le cœur brisé qui est dedans. Attristé. Abattu. Découragé. Ayant un esprit de suicide qui te suit, tout ce qui est en moi, le cœur brisé a été réparé. Il dit, mon cœur a été réparé, plus de douleur, plus de trous dans le cœur, plus de défis. Bénis l'Éternel. Tout ce qui est en toi, le cerveau qui est en toi, il y a des milliards de cellules dans ce cerveau. Lorsque toutes ces cellules sont bien coordonnées, plus de migraines. Et il n'y a plus de désorganisation dans ta personnalité. Tout ce qui est en moi reçoit une touche miraculeuse. Bénis l'Éternel. Le psalmiste non seulement avait un cœur brisé, mais il y a des gens qui ont les os brisés. Ils ont eu les accidents de la vie. Les accidents de la vie ont brisé leur cœur. Les accidents de la vie ont brisé leurs os. Les accidents de la vie ont brisé leur colonne vertébrale. Alors tu viens à la présence du Seigneur. Et la colonne vertébrale qui est brisée, guéri par le Seigneur. Et il dit, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Quand nous venons dans ce monde, et tout ce qui était en nous, tous les organes étaient en bonne forme et sain. Mais en parcourant la vie, le cerveau ne continue plus tel qu'il était.
La pensée est aussi affectée. Les intestins sont affectés. Les cellules dans le corps sont affectées. Maintenant, nous parcourons le monde rendu incapable. Les pieds n'arrivent plus à bien se lever. Les pieds n'arrivent plus à bien bouger. Les yeux ne voient plus bien. Les oreilles n'entendent plus bien. Et tout est en train de décliner, décliner, et pratiquement tout va mourir maintenant. Le sang est la vie du corps. Et il y a des grumeaux dans le sang. Le sang ne coule plus librement dans toutes les parties de ton corps. Maintenant, tu viens au Seigneur. Mais si tu viens au Seigneur, il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Il a fait pour les gens du passé. Et il le fera aujourd'hui. Alors tu peux dire avec le psalmiste: bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Voyez le verset suivant, verset 2. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas ce qu'il a fait pour les autres, c'est ce qu'il a fait pour moi. Il n'a pas dit: oh les âmes, vous qui êtes au dehors là-bas, bénissez l'Éternel. Non, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cet homme a reçu. Cet homme a reçu des miracles, des délivrances, la touche du Seigneur dans son âme, dans sa vie et même dans sa famille. Il dit: n'oublie pas. Rappelle-moi pour que je n'oublie pas. Le pardon qu'il t'a donné, n'oublie pas. La libération qu'il t'a accordée, n'oublie pas. La fructification qu'il t'a donnée, n'oublie pas. La guérison qu'il t'a accordée, n'oublie pas. La puissance qu'il t'a donnée pour tenir, n'oublie pas. La puissance pour vaincre tous les Goliaths sur ton chemin, n'oublie pas. La restauration de tout ce que tu as perdu dans ta vie, n'oublie pas. Le réveil, la réactivation, la régénération de ta personnalité, n'oublie pas. L'espérance de ton désespoir, n'oublie pas. La force qui t'a donnée, n'oublie pas. C'est ça qu'il a fait pour eux par le passé. Et voici ce qu'il fait pour toi au présent. Et c'est ce qu'il fait pour les jeunes dans chaque génération. Et il vient maintenant au verset 3. Et qui pardonne toutes tes iniquités. Il y a un pardon qui vient du ciel. Mais le pardon sur la terre est limité.
Tu as fait de mauvaises choses. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as pratiquement offensé tout ce que tu connais sur la terre. Tu as offensé ceux qui sont à côté. Tu as offensé ceux qui sont loin. Tu as offensé ceux qui savent ce que tu as fait contre eux. Tu as offensé ceux qui ne savent même pas ce que tu as fait contre eux. Si tu es, on t'attrape, tu t'es attrapé par les agents de force de l'ordre et on t'amène au tribunal et que le juge te juge et tu cries et tu plaides. Oh Dieu, je suis désolé. Mais le juge te dit, d'accord, je te pardonne. Mais comprenez. Mais comprends que ce qui t'a amené au tribunal ne représente même pas 1% de ce que tu as créé dans ta vie. Et si on devait t'amener au tribunal pour tout ce que tu as fait de mauvais, tu ne t'en sortiras pas. Peut-être que tu seras en train de faire les va-et-vient au tribunal pour qu'on juge tous les cas. D'ailleurs, même ce qui t'amène là-bas ne représente un seul 1%. Alors quand le juge dit « Je te pardonne », il y a environ 99% des offenses, des crimes que le juge ne connaît même pas. Et il y a 99% de culpabilité suspendue sur ton cou, sur ta conscience. Le pardon donc sur la terre est très limité. Mais quand tu viens à Dieu, et quand tu viens à lui, ne pardonne pas seulement 1% de ce que tu as commis comme offense. Non, il pardonne tout. Et qui guérit toutes tes maladies. Et il y a plusieurs types de maladies, et très douloureuses d'ailleurs, et il y en a qui conduisent au tombeau. Il y a la maladie pour la tête. Donc si vous prenez le mot maladie en anglais ou en français, le raccourci, c'est malaise. Tout ce qui trouble votre aise. Malaise. Tout ce qui distrait ou ôte votre aise, aisance, est une maladie, un malaise. Et il y a plusieurs types de malaise, de maladies dans le corps. Sur les doigts, les malaises, maladies. Au niveau des orteils, malaise, maladies. Dans les oreilles, les malaises, les maladies.
au niveau des yeux, les malaises, les maladies. Dans le système sanguin, malaise et maladie. Maintenant, quand tu vas chez le docteur, tu n'amènes pas toutes les maladies chez le docteur. Tu dois faire un choix. Maintenant, ce que j'ai comme malaise au doigt, je n'avais pas en parler au docteur, il va supporter. J'ai un problème d'écoute. Il y a quelque chose de plus sérieux, mais je vais supporter ça. Ah, j'ai des douleurs au genou. Je ne vais pas en parler maintenant au docteur. Je vais parler de cas plus sérieux. Et tout ce que tu as comme malaise, tout ce que tu as douleur dans le corps, tu choisis ce qui est plus sérieux et tu dis, docteur, j'ai tel problème. Et le docteur te teste. Et il t'examine, fait le contrôle et il constate 1, 2, 20, 25, 30 cas, maladie. Madame. Est-ce que tu sais qu'on a vérifié, on a trouvé 30 Ah oui, je sais docteur, mais je ne suis pas venu pour les autres. Ce qui m'a amené ici, c'est le cancer. Traitons ça d'abord. Et tous les docteurs du monde, ils savent, comme tu sais que je sais aussi, ils se débarrassent d'abord du cas le plus sérieux. Et ils décident que tu peux retourner à la maison. Et maintenant, des 30 cas qu'on a trouvés, tu gères les 29 restants. Mais la guérison de Dieu est différente. Qui guérit toutes tes maladies? Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce qu'il a fait par le passé, il le fera au présent. Il pardonne. Il... dans la rémission, il sauve. Il ôte ta culpabilité. Qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Son accomplissement passé se traduit par l'accomplissement présent et se reflète en accomplissement perpétuel. Alors viens et il le fera pour toi aujourd'hui. Il va pardonner tes péchés. Il va sauver ton âme. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera pardonné. Que quelqu'un crie Amen. Deuxième point maintenant. La provision promise pour notre pardon. La provision promise pour notre pardon. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu savait que tu allais pécher. Il savait que tu allais pécher.
avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Dieu savait. Il savait qu'Adam et Ève allaient pécher. Voilà comment on dit qu'il savait. Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été sacrifié avant la fondation du monde. Alors il avait fait la provision. Que Jésus-Christ donc sera l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde. Toi, tu pensais que tu faisais quelque chose d'inconnu. Tu pensais que tu faisais quelque chose qu'on ne découvrira jamais. Mais il savait exactement que c'est ce que tu allais faire. Vous savez pourquoi nous cachons souvent? Pourquoi nous cachons les choses? Parce que nous pensons que ah, je vais cacher ça, je vais couvrir ça pour que personne ne cherche. Avant même que la pensée ne vienne dans ton cœur, il le sait. Pendant que la pensée de l'iniquité a rempli ton cœur, il le sait déjà. Pendant que tu cachais cette grossesse d'iniquité à tes parents, Dieu le savait. Finalement, tu l'as fait. Et tu vas maintenant te cacher sous l'arbre. Et tu fuis. Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Pourquoi est-ce que tu te caches? L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il a fait la provision pour ton pardon. Il a fait la provision pour t'en tirer d'affaire. Et il a fait pour tout le monde. Et il a fait pour toi. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà pensé à l'avance. Qui aura la chaleur du soleil. Que tu auras besoin de la lumière du soleil. Et il a placé le soleil à sa place avant que tu ne naisses. Avant que tu ne naisses. Et il a mis en place les océans, les rivières, parce qu'il savait que tu auras besoin d'eau. Et avant même que tu ne naisses, parce que à ta naissance, tu ne savais pas. Mais il savait que tu auras besoin du poisson, de la viande, de poulet et autres pour manger quand tu viendras sur la terre. C'est la même chose avec le pardon. C'est la même chose avec le salut. Et donc, il savait que tu auras besoin du pardon
Parce qu'il savait que tu allais venir, toi, mais tu ne savais pas. Et le jour que tu as péché, dis oui, je savais que ça va arriver. Le pardon est disponible. Comme tu réalises, tu peux avoir facilement le pardon. C'est pourquoi il dit en Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que cela a surpris Dieu? Non, pas du tout, parce qu'il avait déjà pourvu le Sauveur. Alors il nous dit dans le verset 24. Et il nous dit dans le verset 24 de Romains 3, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et dit, maintenant, vous pouvez être justifié. Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que je dois donner? Pour être pardonné, justifié. Pour que je puisse avoir la rédemption. Avant que tu ne commettes le péché, le Sauveur a été pourvu. Vous savez, 2000 ans environ passés, avant même que tu ne naisses, Jésus a dit, tout est accompli. Avant que tu ne commences même, avant que tu ne démarres, avant que tu ne t'attires la culpabilité, Jésus avait dit, tout est accompli. Est-ce que tu vois la rivière, les océans? Toute l'eau que tu vas boire, avant même que tu ne naisses, tout est accompli. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la connexion. Maintenant, il faut un tuyau qui va raccorder l'eau de la mer jusqu'à chez toi. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est la connexion. Le pardon est disponible. Le salut est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Ce qu'il faut maintenant, c'est la connexion entre le calvaire et l'homme condamné. Étant gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans le verset 25, il dit que c'est lui que Dieu a destiné. Ce n'est pas à toi de préparer la provision pour le salut. Dieu lui-même avait déjà préparé la provision du salut. Ton petit argent. Comment penses-tu que cette petite somme d'argent que tu as peut te procurer le salut? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Par la patience de Dieu. La patience de Dieu est son attribut.
La patience était même à l'œuvre avant ta naissance. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. L'amour de Dieu, la patience de Dieu, la grâce de Dieu qui apporte le salut. La patience de Dieu était là avant même que tu ne naisses. Maintenant que tu viens, et tu dois comprendre que c'était là avant que tu ne pèches. C'était là avant que tu ne pèches. Et c'est toujours là. Et c'est là l'attribut de Dieu, sa patience. Il n'y aura pas de patience s'il n'y avait pas de pécheur. Il n'y aura pas de patience s'il n'y a pas de coupable. Et cette patience de Dieu t'attendait tout le temps. Et aujourd'hui, tu peux venir maintenant au Seigneur. Et la patience du Seigneur et l'amour de Dieu va t'embrasser et te faire entrer. Nous avons donc la provision promise. Et cette provision promise est pour toi. Toutes les eaux de l'océan sont pour toi. Mais tu dois te connecter à cette eau par un moyen pour recevoir le pardon disponible. Tu dois te connecter par la repentance de la foi. La joie du salut est disponible. Mais tu dois te connecter en venant à Jésus. Ce soir, tout le pardon dont tu as besoin, le salut dont tu as besoin viendra. Le pardon dont tu as besoin viendra. À cause de la connexion à travers Jésus-Christ. Et ce soir, nous voyons sa puissance prééminente à travers notre foi. Sa puissance prééminente à travers notre foi. La puissance à la grâce. Sans aucune, nous avons la force de prendre un jouet. Comme nous prenons de l'âge, nous avons la force pour prendre notre chaise. Et comme nous prenons plus de l'âge, nous avons plus de force pour porter un fardeau plus lourd. La puissance de Dieu qui ôte le péché. Qui ôte le péché. La puissance de Dieu qui ôte la maladie. La puissance de Dieu brise la puissance de Satan. La puissance prééminente. La puissance dominante. La puissance triomphante. Elle est disponible pour toi aujourd'hui. Et tout ce que tu demanderas à Dieu par la foi, il te l'accordera. Ce n'est pas une puissance temporaire. Cette puissance qui sera continuée dans ta vie, même après cette croisade déposée dans ta vie. Tu te sentais faible chaque jour, mais maintenant tu peux te lever.
Maintenant, la puissance prééminente va suivre ta vie. Avant, tu étais craintif chaque fois que tu étais confronté à quelque chose. Maintenant, la puissance prééminente vient à travers ta vie. Et il dit, c'est par notre foi. À travers notre foi. Quand tu dis, Seigneur, je crois. La puissance dominante viendra dans ta vie. Romains 8, 32. Romains 8, verset 32. Verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Écoutez ceci, comment nous donne. Mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a point épargné son propre fils. Il l'a sacrifié pour tes péchés. Il est devenu le substitut des pécheurs. Il n'a point épargné son propre fils. Pour faire la substitution, il a pris ta culpabilité. Et toi, tu as pris sa justification. Mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Gratuitement, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Comment avoir ces choses? En lui demandant. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque, notez ceci, quiconque, chaque enfant, chaque femme qui demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Comment est-ce que je vais demander? Si tu restes très éloigné du donateur de la vie, si tu restes très éloigné du sauveur du monde, et donc ta distance, même de ton cœur, t'empêchera de recevoir. Si tu as perdu quelque chose, et tu cherches ce que tu as perdu, et tu t'assois là où tu es, et tu restes sur place là où tu es, et tu croises les bras là où tu es, tu croises les pieds là où tu es. Comment obtenir ce que tu cherches? Tu
Tu dois donc te bouger pour trouver ce que tu cherches. Celui qui frappe à la porte de la grâce de la miséricorde, la porte de la foi. Mais si tu restes là où tu es, tu n'agis pas, tu ne fais rien, comment la porte sera ouverte? Et il nous donnera toutes choses. Gratuitement, pleinement, nous donnera toutes choses. Le salut est disponible pour toi ce soir. Le pardon est disponible pour toi ce soir. Nous donnera toutes choses. La guérison est disponible pour toi aujourd'hui. La délivrance et le brisement des jougs est disponible pour toi aujourd'hui. Et il donne gratuitement. Tu dois venir avec confiance en sa vérité. Tu viens avec foi en sa fidélité. Et il te donnera ce que tu demandes. Voyons, Romains 8, 37. Et dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Quand tu viens à Christ ce soir, quand tu croiras en Christ ce soir, il y a un mot qui s'ajoute à ta vie. Plus. Plus, plus, plus qu'un pécheur, plus qu'un homme condamné, mort, plus qu'un homme coupable, plus qu'un homme malade. Plus qu'un homme foulé aux pieds. Plus qu'un homme craintif. Quand tu viens à Christ ce soir, il ôte tes péchés du passé. Tu deviens plus qu'un incroyant, tu deviens un croyant. Plus qu'un étranger, dans le royaume de Dieu, tu deviens fils, un enfant de Dieu, quand tu viens à Christ. Tu deviens plus qu'un esclave de Satan. Tu deviens un vainqueur. Quand tu viens au Seigneur, quand tu viens à Christ, tu es plus qu'un aveugle qui titube et cherche son chemin. Tu reçois ta vue et tu sais maintenant que tu es plus qu'un aveugle. Mais dans toutes ces choses, quand tu viens à Christ, le chemin poussiéreux sera toujours poussiéreux. Quand tu viens à Christ, toutes les choses qui étaient autour de toi sont toujours les mêmes. Mais c'est toi qui as élevé plus haut que ces choses.
Tu deviens plus fort que ces choses. Tu deviens plus victorieux que ces choses. Mais là, tu dis, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Et il y aura donc plus de vitesse sous tes pieds. Tu parcouriras, tu vas parcourir la vie plus que vainqueur. Toutes ces choses qui étaient là par le passé, qui arrêtaient, empêchaient ton progrès. Maintenant, ces choses sont là. Mais maintenant, tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Et c'est pour tout le monde. C'est gratuit. 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 Si je t'avais dit que j'ai beaucoup d'argent ici, que tous ceux qui viennent, hommes, femmes, jeunes ou vieux, que j'ai $100 à donner à chacun qui viendra. Et j'ai dit de lever la main. Et j'ai dit, lève-toi. Parlant de ce que je vais te donner gratuitement. Et j'ai dit de venir ici. Ça ne va pas te prendre du temps. Tu vas quitter là où tu es. Et tu vas venir. Maintenant, je te présente ce soir le salut plus grand. Le salut plus grand, plus élevé et en plus de valeur que le dollar. Je te présente ce soir le pardon plus grand que toute devise. La vie éternelle plus grande que toute possession terrestre. Ce soir, tu as le pardon. Ce soir, tu as le salut. Ce soir, tu as la vie éternelle. Ce soir, tu as ton nom écrit dans le livre de vie ce soir. Je t'ai dit ce que Christ a pourvu. C'est toi maintenant qui dois mener une action et recevoir ce que Christ a pourvu. La tête baissée, les yeux fermés. Le don de Dieu t'attend. La grâce de Dieu t'attend. Le pardon t'attend. La vie éternelle t'attend ici. Le salut du péché t'attend. Tu veux ça? Tu veux la connexion à Christ? N'importe où tu es, lève simplement la main. Amen. Mets-toi debout alors. Si c'est ça que tu veux ce soir, le ciel te regarde avec le télescope du ciel. Et ceux qui veulent le salut, le pardon, la grâce, comme le télescope du ciel te regarde.
Tu vas te mettre debout. Et il dit, venez demander. Venez recevoir. Et il fera de toi plus que ce que tu as été dans ta vie. Et si tu veux recevoir ce pardon, cette libération ce soir, fais ton pas de foi, quitte là où tu es et viens. Et viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Tu veux la vie éternelle, viens. Tu veux ce pardon-là, viens. Si tu veux ce salut du péché, viens maintenant. N'importe où tu es, viens maintenant. Le plus grand don du ciel pour toi, viens maintenant. Il te donnera la victoire sur les faiblesses de ta vie, viens maintenant. Tu vas vaincre la peur. Il te donnera les pieds pour tenir. La force pour tenir. Viens, viens, continue à venir. La vie éternelle, c'est pour ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Le salut, c'est pour ça que tu viens. Pour que le Seigneur s'identifie à toi et écrive ton nom dans le livre de vie au ciel, c'est pour ça que tu viens. Viens. N'importe où tu es, viens. À droite, n'importe où tu es, viens. Jeune homme, viens. Garçon, viens. Fille, viens. Homme âgé, viens. Femme âgée, viens. Viens pour son pardon. Viens pour son salut. Viens pour la vie éternelle. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Viens recevoir tes bénédictions du pardon pour lequel il est mort. La paix du cœur, la victoire dans ton âme. C'est pour ça qu'il est mort. Viens. Ne reste pas derrière. Viens. Venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la restauration. Je vous donnerai la rédemption. Venez par la foi dans sa fidélité. Si tu viens, viens rapidement. Parce que nous prions maintenant. Viens en te confiant en lui. Pour ce qu'il a fait pour les gens comme toi et comme moi. Par le passé, il le fera pour toi. Amen. Que tout le monde dise Amen. Lève cette main, nous allons prier. Il n'y a pas de doute dans mon cœur.
Quiconque vient, c'est lui qui appelle. Il pardonnera. Il sauvera. Lève ta main comme nous prions. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Père, pour ton amour, pour ton plan de longue date. Merci pour ta soumission, Seigneur. Avant la fondation de mon entité, le temps est venu pour te connecter à Christ. Et nous connectons en venant à Christ. Nous prions pour ceux qui sont venus ici et partout. Donne ce pardon. Libre, plein. Pardon pour tout le monde. La vie éternelle pour tout le monde. Le salut pour tout le monde. Donne-les, Seigneur, la joie du salut. Donne la force et la puissance de mener une vie sauvée. Merci, Seigneur. C'est fait. Tu as donné, ils ont reçu. Confirme-le dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Gloire à Dieu. Alors, ceux-là qui ont levé la main, rapprochons-nous d'eux. Prenons le nom de tous ceux-là qui ont levé la main. Aidons ceux-là qui ne savent pas écrire à remplir les fiches, s'il vous plaît. Si vous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur ce soir, et que vous êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus pour remplir le formulaire. Pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Dieu. Si vous suivez la radio et vous avez donné votre vie à Christ, vous pouvez aussi envoyer vos informations par SMS ou par WhatsApp à ce numéro plus 231-54-44-92 plus 234-91-54-96-63. Notez cela. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui nous ont suivis en ligne et qui ont donné leur vie à Christ le dimanche 7 juillet 2024. Vous aurez plus de détails à ce sujet.
Notre pasteur sera ravi de vous avoir au cours de ce banquet. Et dans toutes nos nations, il y aura le banquet des nouveaux convertis partout dans le monde. On vous donnera donc les informations concernant ce programme spécial, le banquet des nouveaux convertis. Et donc, dans vos nations, on vous donnera plus de détails. C'est le dernier jour de vous préparer pour vos miracles. Restez sur place et soyez en esprit de prière. Croyez en Dieu, il va vous visiter. Donc, vous qui nous suivez, il y aura un banquet spécial pour vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Donc soyons en prière, parce que l'homme de Dieu revient bientôt pour la prière, pour vos miracles. Ce soir, c'est ce soir. Miracle du dernier jour. Tu ne rateras pas. Quelque chose de tangible va t'arriver ce soir. Quelque chose de tangible va t'arriver ce soir. Ton amen, plus il est fort, plus tu auras ton miracle. Toujours en esprit de prière.
Sois toujours en prière, quelque chose de grand va t'arriver. Levez-vous, le pasteur revient. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle? Reçois ton miracle. Le moment de ta guérison est venu. Rappelle-toi. Dieu a donné son fils unique. Et il l'a donné pour toi. Ne va-t-il pas nous donner librement, gratuitement et pleinement toutes choses avec lui? Il nous a donné le salut. Il nous donnera la guérison. Il nous a donné le pardon. Il nous donnera la libération. Il pardonne tous nos péchés. Et il guérit toutes nos maladies. Lève ta main vers le Seigneur. Tu peux mettre la main là où tu as le défi. Quand nous allons conclure la prière avec le dernier Amen, tu verras que ta guérison est là. Nous prions pour toi maintenant. Père céleste, nous, tes enfants, nous sommes sur la terre invoquant ton nom. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Esprit du Dieu vivant, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant, tu viens rendre la vie à nos corps mortels. Guéris tous ceux qui ont besoin de guérison ce soir, au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ta puissance de guérison. Que ta puissance de guérison. Coule et touche chaque vie maintenant au nom de Jésus. Maladie incurable, je prends autorité sur vous. Sortez au nom de Jésus. Cancer, je prends autorité sur vous. Sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, quitte là-bas. Et sois guéri. Asthme, sois guéri ce soir. Que tout ce qui est enflé dans ton corps disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je prie pour l'hernie là-bas, je prie pour goitre là-bas. Disparaissez au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes à entendre, que ses oreilles soient débouchées maintenant. Pour ceux qui sont aveugles, que une nouvelle vue leur soit donnée maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont paralysés, ceux qui sont désespérés dans leur fauteuil roulant, ceux qui marchent avec les béquilles, je prie que la puissance de Dieu touche vos mains maintenant. Que la force du Seigneur vienne sur vous maintenant.
Levez-vous, vous êtes guéri au nom de Jésus. Quiconque a eu d'accident et les pieds sont cassés. Je prie que la puissance de Dieu soude ses os brisés maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Lèpre dans ton corps, je commande. Lèpre, sors de ce corps au nom de Jésus. Seigneur, maintenant nous recevons la guérison partout. Délivrance partout. Les signes et les prodiges partout. Miracles partout. Confirme-le sur chacun maintenant. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié.